بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله أحق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تَسَاهْرُونَ به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَا يطه لَهَا رسوله فقد فاز عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى وخير هذه هذه محمد صلى الله عليه وسلم والشرار مهم محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Wayyavubillah Yammabad, wa salaamu alaikum wa rahmatullah wa marakyatu i kwa hawat, hayakumulla. On va reprendre dans ce cours l'explication, le charh des 99 ahadiths concis en compilé par Sheikh Abdurrahman Sa'di Rahmullah. On reprend, inshaAllah, avec le numéro 75. Vous devez vos victoires aux plus faibles d'entre vous. C'est comme ça qu'il l'a intitulé. Vous devez vos victoires aux plus faibles d'entre vous. En effet, Moussaab ibn Sa'ad, radiallahu anhu, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa a dit, vous devez vos victoires et votre subsistance qu'aux plus faibles d'entre vous. Qu'est-ce que ça signifie? Encore une fois, je le rappelle toujours, l'importance de revenir à un tafsil, revenir à un char, revenir à une explication, un détail de la hadith. Ici, Très clairement, la plupart des gens ne le comprendraient pas, le hadith. Qu'est-ce que ça signifie Vous devez vos victoires et votre subsistance aux plus faibles d'entre vous. Le commun des gens ne pourrait pas comprendre ce hadith. Donc, il faut revenir à une, une explication. Et après, il y en a des hadiths qui sont, on va dire, plus compris par les gens, mais malheureusement, parfois, aussi mal compris. C'est-à-dire que les gens, et ça, c'est des choses que j'ai déjà dit dans nombre de cours, les gens vont interpréter le hadith, mais à leur manière. Ils ne reviennent pas aux savants. En fonction du contexte, etc. Un habis, ça a un sens. Et eux, ils l'interprètent selon leur passion, au gré de leur passion, de leurs envies. Et malheureusement, ils détournent le sens des habis. Donc toujours l'importance de revenir à l'explication d'un savant, une personne de science, au moins un étudiant, pour comprendre correctement un habis ou même un verset. Et même les paroles des ulama, Même les paroles des Elles ont besoin de clarification parfois pour le commun des gens. Surtout ceux qui sont dans les passions. Les gens de l'innovation et les gens des passions aiment tronquer le sens des textes. Donc, ne vous laissez pas avoir. Et quand on vous poste des hadiths comme ça, demandez toujours l'explication. S'ils ne l'ont pas, c'est qu'ils ne sont pas aptes déjà à poster un hadith. Vous savez, quand on poste un hadith sur Internet, tu dois être capable, normalement, de l'expliquer aux gens. « Pourquoi tu le postes ?» Vous savez, poster des choses, c'est bien. On va dire « Oui, mais moi, je suis pas un savant, je n'explique pas. » Oui, mais en postant des hadiths ou des versets parfois, ça peut être dangereux. On va dire, comment ça Avec tout le flot d'égarements qu'il y a à la musique, les choses liées à la zina, l'égarement et tout, moi, je poste un verset, à un hadith, il me dit, c'est dangereux. Il est égaré, celui-là. Non, écoutez-moi. Car, en fonction de comment les gens vont le comprendre, peut-être même toi, comment tu l'as compris, tu vas égarer les gens. Sur de nombreuses pages Takfiri, il y a des versets. Ils sont authentiques, bien évidemment. Les hadiths sont authentiques, bien évidemment. Même des paroles de elama mais ils les mettent dans un certain contexte, comme je disais, au gré de leur passion. Ils font donc pencher le lecteur, hein, celui qui va recevoir l'information le texte. Ils le font pencher vers un certain côté déjà, mais pas vers le côté de la vérité. Ils sont incapables de l'expliquer, si ce n'est, si ce n'est que quand, qu'en fonction de leur passion. Et ça, c'est très dangereux. Donc je vous le dis à, à tous les petits prêcheurs en herbe, on pourrait dire, toute personne qui se dit je vais poster des paroles je vais poster des versets, je vais poster des hadiths, c'est très bien, c'est très bien, marchand qu'Allah te récompense Mais sois capable d'expliquer, cest dire avant de le poster, tu dois bien l'avoir compris. Reviens à une explication scientifique, puis tu le postes. Comme ça, tu le postes dans le bon sens, si on te questionne, tu sais l'expliquer, et même, je dis, normalement, tu dois mettre le tafsil sous dans le commentaire, aujourd'hui, on peut mettre la publication et le commentaire sous le Hadith. Tu dois l'expliquer s'il n'est pas euh, plus explicite que cela. Tu dois expliciter les choses, tu ne dois pas laisser l'ambiguïté dans la tête des gens. Encore pire, faire comprendre le contraire ou autre chose aux gens. C'est très grave. Moi, aujourd'hui, malheureusement, les gens ils récupèrent comme ça les versets des hadiths, les paroles des éléments. Ils trouvent que ça sonne bien, c'est pas mal. J'en vois, je dis c'est pas mal, hein. la parole d'Allah c'est pas je dis c'est bien ou c'est pas mal, c'est la parole d'Allah et c'est dans le sens de approximatif des versets, et c'est la plus belle chose qui soit. Quand je dis pour eux ça sonne bien, c'est dans le sens où ils trouvent ça agréable, non, bien sûr, c'est une belle parole, bien sûr. Et la parole d'Allah est la plus belle de toutes, bien sûr. Mais sans plus, ils postent, mais ils n'ont aucune information sur cela. Peut-être que même en le postant, ils n'ont pas compris. Donc dans ce cas-là, il faut s'abstenir. Ça peut être dangereux, je le dis, en fonction... De comment les gens vont l'interpréter. D'accord Toute cette explication-là, elle n'est pas forcément voilà, liée à ce hadith-là en particulier, mais c'est quelque chose de global et général, hein, concernant les textes. Trop souvent, j'ai vu des choses comme ça et je me dis les gens ne se rendent pas compte en vérité du mal qu'ils font, même s'ils pensent faire du bien. C'est quelque part jouer un peu avec la, la religion, euh, jouer avec les textes en pensant faire du bien. Je dis en pensant faire du bien. Les gens, tu ne les éduques pas finalement avec ça. Tu leur donnes un flot d'informations, ils en magasinent, ils ont pris connaissance effectivement du du c'est-à-dire du du contenu du hadith, mais pff, ils sont pas plus avancés que ça. C'est pour ça qu'on s'est attelé euh, à cet ouvrage qu'on a inshallah à peu près bientôt terminé. Hein. Il nous reste euh, ici euh, une vingtaine de hadiths. qu'Allah nous nous aide et c'était euh, c'était une belle série de cours parce que ça nous a appris euh, bon nombre de choses là, sur l'explication des, des hadiths et puis même quelques règles comme ça. Ce n'est qu'un simple conseil. Soyez vigilants. Euh, que vous soyez lecteur ou bien, pour pour dire, posteur de, de, de choses comme ça, de textes religieux. Donc, il est rapporté par Al-Bukhari. Je ne sais pas si je l'ai dit. Vous ne devez vos victoires et votre subsistance qu'aux plus faibles d'entre vous. Cher, il dit, ce hadith nous informe que les hommes forts et capables ne doivent pas pour autant mépriser les personnes faibles et impotentes. Ni pour ce qui est, ce qui est du djihad, et de l'improbabilité d'une aide que ces dernières pourraient apporter ni pour ce qui concerne la recherche de subsistance et l'incapacité des personnes faibles à subvenir à leurs propres besoins. Tu es fort, mais la haoula wa la quwwata illa billah. N'oublie jamais que il n'y a de force et de puissance qu'en Allah et que toi tu n'es rien qu'Allah aurait pu te compter parmi les faibles et il t'a mis parmi les personnes capables et fortes. Donc ne méprise pas les autres le prophète sallallahu alayhi wa sallam affirme dans ce hadith que la victoire sur le champ de bataille et l'abondance de biens, l'abondance de subsistance peuvent se produire par les efforts fournis par les plus faibles. Et là, les plus, les plus calés en science ont déjà compris. Par rapport à quoi Je vous laisse un temps chez vous, si vous voulez donner une réponse que je n'entendrai pas bien sûr, mais pour vous-même, pour vous-même. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la victoire sur le champ de bataille même et l'abondance des biens, comment ils vont parvenir aux gens, peuvent se produire par les efforts fournis par les plus faibles. De quelle manière Puisqu'ils sont faibles, incapables de combattre et incapables de chercher la subsistance. Je vous laisse 5 secondes. Ah. Et si vous avez la bonne réponse, c'est pour vous, Mashallah, Allah je vous accordez du fer. C'est-à-dire que les plus faibles ont invoqué Allah ils se sont orientés vers lui, Subhanallah, ou implorer son secours et lui ont demandé de leur octroyer la subsistance. Donc il se peut qu'une personne, en dehors du combat, alors on parlera du combat armé ici, mais le djihad, il se fait de plusieurs manières. Il se fait aussi contre les innovateurs, à l'aide de la plume, à l'aide de la parole, hein, les réfutations et tout. Mais il se peut qu'une personne n'ait pas spécialement d'ilm, n'ait pas spécialement d'argumentation et tout, mais elle invoque ardemment, peut-être plus ardemment encore que quelqu'un qui vient les réfuter. Et en vérité, la victoire... La victoire des gens du haq sur les gens du faux hein, va intervenir, bien sûr, par la cause de la personne qui va sortir sa plume ou enregistrer un audio pour réfuter, mais il se peut que ce soit aussi et surtout par la cause d'une personne plus faible en science, mais très sincère et ardente, et ardente pardon, dans ses invocations. Et rien, mais c'est tout. <laughs> et voilà. Pareil pour la subsistance. Elle ne va pas la chercher, mais elle invoque Allah ardemment. D'ailleurs, on sait que le Doha est une cause, je le rappelle, pour les gens qui. Parfois pense, malheureusement, et se repose que sur les causes. Puis même critique les autres. Ah oh, toi tu ne fais aucune cause, parce qu'encore une fois on ne connaît pas la situation de tout à chacun. Alors oui il y a des feignants. D'une part il y a des feignants et d'autre part il y a des courageux. ça <laughs> De manière générale, on ne peut que l'admettre, ça existe. Il hein. y a des gens qui sont paresseux et des gens qui se bougent. Mais parfois il y a des gens qui sont limités, limités dans le fait de faire des causes. On dirait euh, physique, euh, quelques démarches aussi de ça, notamment pour chercher la, la subsistance, pour diverses raisons. Euh, limité physiquement, limité mentalement, limité psychologiquement, éprouvé de différentes manières, bref. Et t'en en as toujours qui sont, entre guillemets, plus forts que, plus débrouillards que dans certains domaines, donc de causes, on va dire, palpables, qui viennent critiquer, ah, oh, mais vous, vous ne faites rien. Qu'est-ce que tu en sais que cette personne-là n'est pas plus sincère que toi vis-à-vis d'Allah dans ses hadiths, dans ses invocations Dans le doha, elle te surpasse. Et via sa sincérité dans le doha... Allah lui accorde sa subsistance peut-être plus qu'à toi qui te bouges dans des causes palpables. Hallelujah. Et ça, on le voit. Ça, on le voit. Tu as des personnes qui allient les deux aussi. C'est-à-dire qu'elles se bougent et de manière physique hein, et les invocations. Ça, c'est, on va dire, euh, l'excellence. Mais parfois, tu as des gens qui font énormément, énormément, énormément de causes, on va dire, voilà, palpables. Comme si, vous voyez, ce, par exemple, pour chercher du travail ou pour avoir telle ou telle chose. Vraiment, 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 ils sont ardents dans cela mais négligent vis-à-vis du Tauride. Ils peinent à obtenir quelque chose. Et d'autres personnes qui ne font pas énormément de choses, même des fois même pas par paresse, mais par incapacité, mais ils sont très ardents. Qu'est-ce qu'ils sont ardents dans théoride, Et Allah leur accorde énormément de Niam. Parfois ça enrage les gens qui ont fait plus de causes, justement, ils se demandent, eh bien la réponse elle est dans théoride, Uniquement. Des, des, des personnes comme ça qui ne négligent pas les invocations du matin et du soir, les afkars, le zikr après la, 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 la prière, en soujoud, ils abondent d'invocations, de, de, voilà, de, etc. Donc ça, c'est très important. C'est pour ça que les plus faibles, il faut pas les, les mépriser. Il se peut qu'ils soient plus forts euh, dans la relation avec Allah, même s'ils ne sont pas sur le champ de bataille. Alors, champ de bataille, nous ici, on n'est pas en guerre. alhamdulillah qu'Allah nous facilite et nous préserve. Mais on est en guerre contre les innovateurs, contre le faux. Donc il y a les personnes qui ne sont pas sur le champ de bataille, entre guillemets, de la réfutation et ceci et cela, mais qui sont peut-être même plus ardents, je le dis, voilà, dans la, dans la détestation des innovateurs, peut-être, qui sait, et dans les invocations. Donc là, la part de victoire elle leur revient aussi. Pareil pour la subsistance, comme je l'ai dit, voilà, ils implorent ces gens-là, Allah, son secours, ils demandent les choses, et les choses leur parviennent, vous avez compris là, la grande sagesse donc. Donc euh, ça, c'était déjà, voilà ce que dit le shir, iman en fait... Euh, Faites bien attention euh, à cela. Les apparences peuvent être euh, trompeuses. Et le Doha, je le rappelle, est une cause en soi. Si tu peux faire la cause de l'invocation plus la cause, euh, voilà, comme je dis, palpable, entre guillemets, c'est l'excellence. Si tu es limité dans tes causes palpables, ne néglige pas le, le Doha. Vraiment, ça peut débloquer énormément, énormément, énormément de choses. Vous savez, cette expression, la subsistance ne tombe pas du ciel, elle est fausse. <laughs> elle est fausse. La subsistance, si elle tombe pas du ciel, elle vient d'où Qui la donne Qui arrazaqa Ça, c'est une phrase de coffard La subsistance, elle tombe du ciel. Alors, évidemment, il n'y a pas, j'ai jamais vu 1500 euros ou 2000 ou 3000 ou une voiture qui tombait littéralement du ciel. Hein, soyons sérieux. Mais elle tombe du ciel dans la mesure où c'est Allah qui fait descendre des cieux la subsistance. Et elle nous vient par des moyens dont on ne s'attend même pas, dont on n'imagine même pas l'existence. Vous voyez ce que je veux dire donc ça c'est une phrase de Koufarti. par hein. la subsistance ne tombe pas du ciel, c'est pour prôner l'attachement aux causes. Le fait de dire que voilà euh, bien sûr euh, en islam on on renie pas les causes voilà comme je dis palpable terrestre le fait de se bouger pour faire telle chose, je vais à droite, je vais à gauche, je vais chercher ça, c'est évident. Mais eux ils ne voient que par cela. C'est-à-dire ils sont focus sur la dounia comme vous le savez, et les musulmans, malheureusement, qui les suivent en cela, les musulmans qui ont imité les kofars, qui sont faibles de foi et qui sont complètement ignorants du théorie et de la sauna, les suivent dans cette mauvaise voie, à savoir ne voir et ne n'espérer que des causes comme ça, qu'on a pu faire au sein d'une journée. Voilà, mon, mon travail, c'est ça qui m'amène ma subsistance. te des, des gens comme ça, des gens... Surtout les koufards, bien sûr, mais malheureusement qui détiennent sur les musulmans qui, qui ne voient que par leur patron, que par leurs efforts, que le travail paie. C'est pas que le travail paie spécialement. C'est surtout que c'est Allah qui te donne. Et la subsistance, oui, pour contrecarrer tout ça, elle tombe bel et bien du ciel. Voilà. Donc je, je le rappelle, des gens, des fois, déploient énormément, énormément d'efforts, mais une relation faible avec Allah. Ils n'ont pas plus que cela. Allah leur donne quand même parce qu'il est généreux, mais ils n'ont pas plus que ça. Et parfois, il y a des gens, je vous dis, ils sont dans des situations qu'on pourrait penser difficiles et Allah leur les comble et leur donne des choses et des choses et des choses et des choses. C'est parfois impensable. Impensable. Mais ils les ont. <laughs> ils les ont via cette relation forte qu'ils ont avec Allah. Et ça, ça fait ça fait encore plus monter la foi d'une personne qui est dans une situation euh, euh, pénible comme ça. C'est d'ailleurs ce que je donnerais comme conseil à tous les indigents, euh, les sœurs notamment, qui sont parfois dans... Parce que les frères, on va dire que le champ des possibilités est plus large. Mais parfois, vous savez, les sœurs qui sont dans des difficultés liées bah, au voile. Voilà. Elles le voile, fois, elles doivent gérer des enfants. Elles peuvent pas être voilà sur le même terrain et avec les mêmes conditions que les hommes sur le marché du travail, etc. C'est difficile, c'est difficile. Mais Pour autant, elles ont besoin d'une part de subsistance, surtout les seules, les soeurs, pardon, seules qui élèvent des enfants. Multipliez les adiat étudier théorie. Faites l'effort dans l'apprentissage, voire même entre vous, les soeurs, la transmission de science. Je peux vous assurer. Je peux vous assurer, voilà, va vous envoyer une subsistance. Mais soyez craintifs d'Allah, soyez pieux, soyez sérieuse, travaillez cette taqwa. travaillez ce tawhid. multipliez les invocations, vous ne serez pas déçus. Ça, c'est une grande cause. Grande, grande, grande cause. Donc à tous les indigents comme ça qui sont en difficulté, ne désespérez pas, même si vous vous sentez limité, un peu coincé. Allah, il détient euh, les cieux et la terre. Donc il peut vous donner euh, largement de quoi subvenir à vos besoins, n'en doutez point. Wallah, Donc voilà sur la première explication. Il dit ensuite, en effet il faut savoir que les causes permettant d'atteindre un objectif particulier sont de deux types. Je crois que le shir va dire exactement, naam, hein, <laughs> ce que je viens de dire. Voilà la salafia, encore une fois. La salafia. Et je le redis une énième fois sans ostentation aucune qu'Allah m'en préserve mais pour rassurer le cœur de ceux qui suivent mes cours et en réfutation de ceux qui me demandent une taskiat voilà ma taskiat c'est ma science c'est mon bagage de compréhension qu'Allah me préserve wa la rabbil je ne suis rien mais simplement les gens demandent des bouts de papier des diplômes on se fiche du diplôme tant que le frère il est capable d'expliquer un hadith comme l'a expliqué le shir. Ce que je vous ai dit qu'il y avait des bon moi j'appelais ça des causes palpables. Hein. Shir, il dit causes matérielles. C'est plus juste au niveau du terme. Ça me plaît mieux. Causes matérielles exactement voilà. Puis après il dit qu'il y a des causes immatérielles comme le fait voilà de placer sa confiance en Allah. Voilà c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Donc le premier type de cause les causes matérielles. Voilà que les sens peuvent percevoir, comme la force permettant d'avoir le courage de ses propos et de ses actes, ou celle permettant de s'enrichir matériellement, de subvenir à ses besoins. Ce sont ces causes qui viennent le plus souvent à l'esprit des gens. Encore une fois, ça aussi, je vous l'expliquais, la plupart des gens, ils se disent, il y a une cause à faire, c'est ça, c'est cette cause-là. Il faut que ce soit, hein, palpable, matériel, il faut que, hein. Tu as cherché du travail. Ah oui, parce qu'il est à toutes les boîtes d'intérim tous les jours. Donc lui, il a cherché du travail. Effectivement. Mais il s'est basé sur les causes matérielles. Il se peut qu'une personne n'ait pas été spécialement dans ses boîtes d'intérim, mais elle a fait aussi les causes pour chercher du travail dans la mesure où elle s'est levée et elle a fait crémuler toute la nuit. Et Naam. c'est aussi une cause. C'est aussi une cause, comme on l'a vu. Donc ce sont ces causes-là qui viennent le plus souvent à l'esprit des gens, et ils pensent que ce n'est que par leur biais que l'on obtient la victoire ou on se procure sa subsistance. Encore une fois, je viens de vous le dire. Il y a des gens qui sont focus que sur ça. On ne peut arriver à, à un objectif que... Que, que par ces causes matérielles si tu les fais c'est bon si tu les fais pas c'est impossible c'est faux on ne dit pas qu'il faut pas les faire et je préfère être rébarbatif dans mon explication mais au moins ça rentrera une bonne fois pour toutes on ne dit pas qu'il ne faut pas faire ces causes là d'accord mais ce n'est pas la seule solution placer sa confiance en allah et l'invoquer peut suffire une arme je me rappelle d'une phrase d'un frère que j'aime en Allah qui, à l'époque, c'était en 2012 ou 2013, quand je cherchais à me marier, dans le début de ma, ma conversion à l'islam, et j'étais comme ça, vous savez, les convertis, on essaye de se marier, on est seul, on n'a aucune connaissance dans la Oumma, on n'a pas des et tout, c'est pas facile. Mais Alhamdulillah, Allah, il m'a envoyé quelqu'un de noble. Et comme dit Ibn Mas'oud, en tout cas c'est rapporté dans Tal Bissiblis d'Ibn al-Jawzi, et Ibn Mas'oud, il le dit au début du livre, enfin... Ibn Jawzi plutôt cite Ibn Mas'oud parce que voilà, euh, c'est quelqu'un qui est bien, bien après, bien évidemment, donc c'est pas un livre rattaché Ibn Mas'oud mais bref, il a cité ce compagnon, radiallahu anhu. Fait partie des signes qu'Allah te veut du bien, qu'il mette sur ton chemin, quand tu débutes dans, dans, dans la science, dans le cheminement du dîn en tout cas, il met sur ton chemin quelqu'un de la sunna. Donc ça, c'est un très bon signe. Si tu viens de te convertir et puis que tu tombes sur quelqu'un de la sunna, qui a un peu des et tout, c'est très 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 bon signe. Très bon signe. Et donc, là moi je ne le savais pas, je ne l'ai su qu'après, bien après. Mais euh, mais Allah m'avait fait grâce en m'envoyant justement ce genre de personnes. Et j'en ai pas eu des mille et des cent, mais j'en ai eu une ou deux qui ont su me montrer la soudna dès mes débuts. Et ont su me donner une bonne compréhension du tawhid dès mes débuts. Même si au début j'avais du mal à cerner. Et aujourd'hui je l'explique ce tawhid et je pense. Oh Allah, mais qu'Allah les récompenses qui sont une cause. Et je demande qu'Allah fasse, s'il agrée mes œuvres liées à Dawa, qui récompense ce frère-là, que je ne citerai pas, parce qu'il n'aime pas être cité et c'est quelqu'un de discret, mais moi je sais qui il est, et je demande qu'Allah donne de la récompense à ce frère-là, qui m'a, on va dire, formé à la base, sur mes bases, si aujourd'hui c'est agréé et c'est une, une, une rétribution positive que je vais recevoir par rapport à cet effort de prêche, bien qu'il en, en récupère les, les, les récompenses. Tout simplement. Bref. Il m'avait dit, ce frère... Il se peut, donc, lié à ce mariage-là que je cherchais, et j'étais jeune, et je n'avais pas, quand je dis jeune, c'est dans le dîner, hein, et je n'avais pas vraiment de tawhid, donc je le, je le tannais comme ça un petit peu tous les jours, je me rappelle, rire ri riz, zawaj, t'as pas de nouvelles, et t'as pas une piste et tout. Et il me disait, ya, ahi, qasim. Il se peut que tu fasses beaucoup de causes, donc matérielles, beaucoup de demandes, et qu'il ne se passe rien. D'accord? Et il se peut que tu fasses beaucoup d'invocations et que les choses viennent, car c'est Allah qui donne. Alors, moi, sur le coup, j'étais pressé <laughs> et je me précipitais. Donc, j'avais pas compris sur le coup, à ce moment-là, ça parole. Enfin, je l'avais compris, on va dire, textuellement, mais mon cœur ne l'avait pas encore imprégné parce que je manquais de foi, je manquais de croyance. Vous voyez ce que je veux dire? J'avais pas ce dogme-là hein, réellement ancré en mon cœur et c'est venu après, un peu après, quoi. Donc, je dis oui, mais, hein, comme les gens, je dis moi, je veux. Le concret, le concret. Donc, moi, je voyais que plus je lui demandais, plus il y avait des pistes, plus j'avais, entre guillemets, de possibilités de chance de me marier. Mais c'était pas ça. Et lui m'a enseigné la croyance authentique à ce moment-là. Aujourd'hui, je le comprends et aujourd'hui, je vous le transmets. Vous voyez ce que je veux dire C'est wow, yeah. et, et c'est ça. Et il m'a dit beaucoup de causes, beaucoup de causes avec un faible tawak cool peuvent amener une chose à la nullité, zéro. Et peu de causes, voire pas de causes même, avec un fort tawak cool. Peut tout débloquer. D'accord Donc il ne faut absolument pas penser que ce n'est que par le biais des causes matérielles que l'on obtient la, on obtient, pardon, la victoire ou se procure la subsistance. D'accord C'est complètement faux. La subsistance, euh, je le répète, peut venir uniquement euh, via les bonnes actions. Placer sa confiance en Allah, lire le Coran, faire un cours, suivre un cours, faire vicre, donner le bon conseil, les bonnes actions. Si tu mets la nia d'obtenir ta subsistance via cette bonne action, Allah, azzawjel, arazaqqa Ar va te la donner. Shir, il dit, je reprends, c'est d'ailleurs pour cette raison que beaucoup de gens, dans la période pré-islamique, la Jahiliyyah, ils tuaient leurs enfants par crainte de la pauvreté. Or qu'on sait qu'un enfant, il vient avec sa part de subsistance, je rajoute. Je dis, je rajoute qu'un enfant vient avec sa part de reste. Donc une personne qui est sur théorie doit comprendre cela. Mais eux, ils étaient dans l'ignorance, dans les ténèbres de l'ignorance, ténèbres sur ténèbres sur ténèbres. Donc eux, ils tuaient leurs enfants imaginés par crainte de la pauvreté. Aujourd'hui, on a ce qu'on appelle voilà les gens qui vont euh, dire on ne fait pas d'enfants. Alors on a le rapport hors période d'ovulation ou les contraceptifs, etc. Parce qu'ils doutent qu'Allah va leur donner la part de subsistance s'ils ont de nouveaux enfants. Par exemple ça. Ah, ou ceux qui ne se marient pas même, alors que c'est connu. Allah il le dit dans le coran dans le sens approximatif, et, et, et pour les besogneux d'entre eux, ceux qui hein, sont courageux, et qui se marient, Allah les enrichira par sa grâce. Et Hichir el-Bani, il a commenté cela en disant, euh, par rapport donc au mariage, euh, ce n'est pas lié à la pauvreté, c'est lié à la richesse. Ceux qui se marient seront enrichis par Allah et non pas appauvris. Mais ça, encore une fois, il faut avoir cette croyance authentique, ce théorite fort dans le cœur, et la connaissance des noms et attributs d'Allah, notamment... Le nom du pourvoyeur, Raza. C'est très important. Si on doute de cela, on doute de tout. En vérité, ton Islam, il est bancal. Il est bancal. Tu ne peux pas craindre la pauvreté quand tu sais que ton Seigneur est riche, pas par excellence. Mais plus on se rapproche, j'ai pas dit que ces gens-là en sont. Ils ne sont pas musulmans, mais plus on se rapproche de la période de Jahiliya au niveau de la croyance. Bah plus on va compter sur les causes et plus on va repousser des des, des, des choses qui sont bonnes et peuvent amener même la subsistance, mais n'est là par la grâce d'Allah, par crainte justement de manquer de, de subsistance. C'est pareil pour les hommes. Pensez que quand on donne, on va perdre. C'est capitaliste. J'ai 10 euros, je donne 5, il me reste 5. Non, en vérité, tu as placé ça chez Allah. Et Allah va te surpre-récompenser, Felah Inshallah, mais va même te rajouter dans ta dunya ici et maintenant. Croyance, 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 foi, foi, foi. C'est du travail. C'est du travail. Donc ces gens-là, ouais, ils tuaient leurs enfants par crainte de la pauvreté, donc aucun dogme, hein aucun dogme authentique. Et d'autres ne pouvaient supporter l'idée de devoir subvenir aux besoins des membres de leur famille, qui ne pouvaient travailler ou n'en avaient plus la capacité. C'est, Ils n'admettaient pas ça. Or, c'est bien là un manque flagrant de perspicacité, de foi, de confiance en la promesse d'Allah et sa garantie en termes de subsistance. Et cela dénote une conception erronée des réalités de la vie. Parce qu'on le voit. On le voit des gens qui ont beaucoup euh, d'enfants. Est-ce qu'ils ont spécialement manqué? Est ce que les enfants ont fini affamés? Ne serait-ce qu'ici qu dans ce pays d'abord. Avec les causes en plus qu'on connaît matérielles, au delà de placer sa confiance en Allah. Non. J'ai jamais vu moi des gens, parce qu'ils ont beaucoup d'enfants, finir à la rue. C'est des craintes. C'est le châtelain qui veut faire désespérer les croyants et qui veut faire peur aux croyants. Si tu fais ça, oh si tu te maries, les jeunes aujourd'hui, il me faut, il dit le bac et là et le bac plus sais pas combien et il me faut que j'ai la voiture et il faut que j'ai le CDI, et il faut que j'ai l'appartement sinon je peux pas me marier. On t'a pas dit qu'il fallait tout ce package. Par contre, on t'a pas dit non plus qu'il fallait que tu restes chez ta mère et que tu cherches à te marier comme ça parce que ça, y un c'est pas bon non plus. Faut un minimum. Mais dès que t'as un minimum de bagages, lance-toi, marie-toi. Oui, mais je suis trop pauvre. Comment on va faire? Ça dépend. T'épouses quoi comme sœur Une sœur matérialiste ou une sœur qui a une croyance authentique C'est toujours pareil. Hein c'est la même idée, c'est le même problème. Si tu épouses une sœur qui est bien, lance-toi avec peu. Allah va t'enrichir. Et là, Ils ont peur comme ça. Ils disent, j'ai pas assez, j'ai pas assez. Pareil pour immigrer. On n'a pas dit qu'il fallait comme ça partir à l'aveuglette, bien que Chiril Bani dise, enfin, disait, Rahmallah, si tu as un vélo, tu pars. Imaginez, t'as une bicyclette, bah, tu pars alors. <laughs> t'as de quoi partir. C'est bon. Voilà le tour de France, c'est le tour d'Europe de, jusqu'au Maghreb ou dans les pays de, du Cham ou ailleurs. Non. Bon, c'est une image quand il dit ça. Il faut un minimum. Les main ils disent qu'il faut un minimum de, de, de causes préparées pour ne pas avoir à revenir malheureusement et tout. Mais en vérité, il y en a, ils volent des, vraiment des grosses, 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 grosses sommes. Et ils disent « j'économise, 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 je fais le business, je fais le business, je fais le business ». Jusqu'à un moment donné où la mort les surprend et il n'y a plus de business, il a plus d'économie. Il y a euh, l'Aïgra, comme dirait un, un frère, il se reconnaîtra, mais l'Aïgra en, en cercueil, quoi, en linceul. Et à quoi sert l'Aïgra d'un corps sans vie Voilà, il y en a, ils ont tellement attendu. Alors qu'ils avaient la possibilité, ils avaient déjà 20 000, 30 000, 50 000 euros. Et imaginez ce que ça fait au bled Non, non, il faut 100 000, 200 000, 250 000. Et jusqu'à quand tu vas faire des économies, mon frère Dès que t'as un minimum, pas Ouais, voilà. Donc c'est un manque de confiance en Allah que de compter que sur les causes matérielles, bien qu'elles existent, les causes matérielles. Et le second type de cause, c'est les causes immatérielles, comme le fait donc de placer sa confiance en Allah pour atteindre ses objectifs religieux et temporels, l'assurance complète de la réalisation de sa promesse il être convaincu de la promesse d'Allah et le fait de s'orienter totalement vers lui dans la formulation de nos requêtes, dire d'avoir un cœur présent, plein de rachour lorsque tu pries, lorsque tu dis eh al-mustaqim mustaqim comme on l'a vu dans les cours de tafsir, lorsque tu es en soujoud et que tu demandes les choses à Allah, tu es persuadé qu'il va te donner, persuadé qu'il va repousser le mal de toi, persuadé qu'il va te guérir, persuadé qu'il va t'accorder la subsistance, persuadé de. Mais tu en es persuadé plus ta persuasion est forte, plus alors il euh, y a un la venue de l'issue sera prompte. Aussi simple que ça. C'est pour ça qu'Ibn Taymiyyah, il dit, euh, notamment dans son Majmour, il me semble, que oh, « au bon nombre de gens malades, notamment du mal occulte, ont guéri par l'intermédiaire, peut-être de certaines causes, mais surtout par une force du cœur. Un théoride ancré, la force du cœur. Hein Et je le dis ici, pour des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens malades qui me contactent. Je pense notamment à un frère, je ne sais pas s'il si écoutera le cours. Il me contacte en ce moment, il est vraiment désemparé, il est complètement ravagé par le mal occulte. Il se sent mal, mal, mal. J'ai beau lui dire que le travail sur tout cela, c'est to horrible. Il reste dans. Ah, il me faut, il faut une solution maintenant. La solution, elle est là, il y a. <laughs> si tu m'entends La solution, elle est là et nulle part ailleurs. Et c'est mon expérience aussi le, le prouve. C'est des expériences de vie comme ça qu'on peut vous raconter. Hein euh, c'est pas une anecdote inutile qu'on raconte ici. Juste le fait de dire. Et. Et je ne suis pourtant rien dans, dans, dans la concrétisation du théorie. Je fais juste mon petit effort. Mais quand je me suis penché dessus, que j'ai commencé à comprendre des choses, à l'apprendre, de mémoriser, le mettre en application et le propager, c'est ici que mes problèmes liés au, au mal occulte ont commencé à disparaître de plus en plus. À un point tel, et un nid d'atteindre la guérison. Vous comprenez? Il y a, je sais pas moi, 5, 6, 7 ans en arrière, mon cas, il était vraiment, vraiment difficile. J'étais vraiment malade. Mal et malade. Rien à voir avec maintenant, à tous les points de vue. À tous les points de vue, je dis. Vraiment. Tous les points de vue. Et c'est ce tawhid là qui m'a soigné. Plus encore que dire euh, le raqi, euh, est-ce que le coranisé, est... oui, 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 bien sûr. Oui, le coran, oui, le coranisé, oui, le miel. Mais, cette confiance en Allah, cette euh, compréhension, et réalisation du théoride et j'espère avoir été la sincérité dans les formulations, les, la sincérité dans les, dans les invocations de l'Ediyat. Wallahi, celui qui invoque Allah en place, sans sa confiance en lui, vraiment, il est concentré en soujoud, il ne sera pas déçu. Et plus d'une fois aussi ça, je peux vous dire que j'en ai fait l'expérience, et ça fonctionne réellement. Il ne faut pas invoquer Allah en guise de test. Bon, on verra, je vais invoquer comme ça, mais tu n'y crois pas. Ça ne fonctionne pas c'est pas le remède qui a un souci, c'est toi. Ça, on l'a vu dans les cours sur les invocations. La série, je crois, de 23 cours qu'on a, qu a faites, et je vous la recommande, très important. Très important, c'est des cours de théorie, c'est c'est la base. Plus tu es convaincu de la portée de ton invocation, plus elle aura une portée. Il y en a, ils invoquent, mais c'est... Voilà, ils liraient une recette de cuisine, ça leur fait bon, ni chaud ni froid. Faut vraiment que tu te dises qu'Allah va exaucer ton doigt. Vraiment, 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 vraiment. Et là, tu verras les fruits. C'est adjib. Donc, ces causes-là immatérielles sont utilisées très, très intensément par les faibles et les impotents. Bah oui, notamment les malades. Tu es mal au Qu'est-ce que tu vas faire de toute façon Ils n'ont même pas du Coran pour réussir à se faire roqya. Ils savent pas lire l'ahab. Ils peuvent pas réciter son rat et Mais ils savent invoquer Allah. Ils savent faire le dhikr. Fais ça, mon frère ou ma soeur, si tu es malade. Fais ça. Donc, les causes immatérielles sont utilisées très intensément, je disais, par les faibles et les impotents, car la nécessité de leur état les pousse à prendre réellement conscience que la protection, la subsistance et la victoire ne peuvent leur venir que d'Allah, et que leur incapacité est la plus totale. naam. Et je me rappelle, le même frère qui m'avait enseigné la première leçon de tawhid que je vous citais tout à l'heure, m'en avait enseigné une autre, une autre. Il m'avait dit, alhamdulillah, tu es malade. Je lui dis, comment ça, alhamdulillah? Il me dit, ton tawhid va être plus fort que le mien ces temps-ci. Je lui dis, comment ça? me dit « Parce que toi, tu es dans la grande nécessité d'invoquer Allah au vu de ta maladie. Et toi, tu ne louperas pas, incha'Allah, les afkars du matin et du soir. Parce que tu es malade. Et parce que si tu ne les fais pas, tu vas te sentir encore plus agressé par les chariatines. » Tandis que moi, il me dit « Moi, hamdulillah, je suis bien portant. Je ne suis pas embêté par les chariatines. » Et donc, il m'arrive, il me le confiait, d'oublier les afkars du matin et du soir. De mémoire, il me disait, lui, surtout le soir. <laughs> qu'Allah lui facilite, il me dit le soir des fois j'ai pas le temps avec la famille et tout et j'oublie comme ça, et le matin il me dit en partant au travail je l'ai fait, et je me rappelle très bien de notre conversation, qu'Allah le préserve ce frère, et donc il me dit comme ça, il me dit toi tu vas pas oublier toi, toi tu vas pas être négligent, donc c'est exactement ce qu'il dit ici, il se peut en vérité que ta maladie soit une formation, tu as à l'école du théorique via cette maladie, mais toi tu vois que le mal, je suis malade, c'est difficile, je suis pauvre, c'est difficile, je suis éprouvé, je suis ci, je suis ça, il m'arrive ça dans ma vie, c'est dur, mais à travers ces difficultés, Allah va te faire connaître le théoride, va faire en sorte que tu vas mieux le connaître. Qui subhana? Et bien ça c'est mieux que s'il t'avait placé dans des ni'am apparentes, donc que tu es à l'aise, tu es bien et tout, et tu ne te serais peut-être pas penché sur ce théoride, tu ne te serais peut-être pas penché sur les hadiths, où tu aurais été, on va dire, plus laxiste, c'est-à-dire juste en surface, tu n'aurais pas approfondi et tu n'aurais pas été ardent. Parce que tu n'aurais pas pris réellement conscience, si ce n'est que dans la théorie en bouquinant un petit peu, mais tu n'aurais pas vécu la chose, c'est-à-dire vivre l'incapacité la plus totale. Il n'y a que quand es ardemment éprouvé que tu le comprends. Donc, l'épreuve est un grand bienfait. Et là, normalement, tous les éprouvés ils doivent sourire et de se dire, là Allah, il m'a fait ça. Mais c'était pour me donner cette, cette science, cette connaissance. Je le dis aujourd'hui, toutes les épreuves que j'ai pu endurer dans ma vie, je n'y vois que, que, que du bien aujourd'hui avec du recul. Sur le moment, ça pique le nefs. Mais après coup, ça n'a été que des leçons. Ça n'a été que des. <laughs> On oh des formations. C'est l'université du théoride. Vraiment. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. C'est pas que je réclame les épreuves aujourd'hui. Mais en tout cas, je ne crache pas sur celles que j'ai vécues. Alhamdulillah, elles ont toutes été bénéfiques pour moi. Et si je vous fais cours de théoride aujourd'hui, c'est pas l'intermédiaire par la cause de ces épreuves-là. J'en suis convaincu. Le peu de connaissances que j'ai, hein. Le peu de connaissances et de lucidité que j'ai pour expliquer Théoride, ça vient clairement de cela. Pas d'autre chose. Hein C'est pas que j'ai fait 15 ans à Médine. Il demande des fois, oui, il dit, il fait cours, cours de Théoride. Il a fait combien d'années à Médine? Wallahi, il y a des gens, ils font 15 ans à Médine, ils sont incapables, sans ostentation encore, qu'Allah m'en préserve, et vous en préserve. Ils sont incapables de faire des cours de Théoride comme je l'ai fait. C'est un fait. Point. Ils ont fait 10 ans à Médine, ils sont pas capables. Peut-être parce qu'ils ont été moins éprouvés. L'épreuve, parfois, elle te, elle te donne une science. Bien sûr, couplé, allié à la lecture et à l'écoute des Doros, c'est pas à éprouvé, donc ça y est, t'as tout compris du DIN non plus, hein, faut apprendre. Mais c'est pas nécessairement que j'ai lu 150 ouvrages sur Tauride, c'est le peu que j'ai pu apprendre, je l'ai compris. Donc j'arrive à vous le réexpliquer, j'espère, à mon faible et petit niveau, de la meilleure des manières. En tout cas, à mon échelle, j'essaie de donner le maximum. J'essaie d'être le plus convaincant et persuasif et clair possible. Bah ça, c'est pas avec 15 ou 20 ou 30 ans d'études, hein, c'est avec. Une étude, certes, et des épreuves vécues. Donc ces gens-là, là, fortement éprouvés, bah, ils sont dans cela, ils sont dans un grand bien. Pourquoi Parce que leur cœur, dit le chiri, brisé. Leur cœur sont brisés plutôt par la nécessité. Et ils s'orientent ainsi sincèrement vers Allah. Et ils les exaucent alors en leur accordant victoire et subsistance, en les préservant de tout désagrément, et en leur faisant jouir de nombreux avantages que les hommes forts et capables ne pourraient jamais atteindre s'ils ne veulent compter que sur eux-mêmes. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Magnifique parole, pure théorie, c'est ça. Et c'est ça qu'on aime et c'est ça qu'on prêche. y a. c'est ce que je vous ai dit juste avant. j'ai vu des gens se démener dans des recherches de travail et je peux les comprendre, c'est rageant. C'est rageant. J'ai vu des gens vraiment se démener. Mais je suis pas dans leur cœur, je suis pas dans leur euh, dans le soujou et tout, c'est vrai, je suis pas avec eux quand ils font ça. Mais je les vois et ni ça n'aboutit pas plus que ça. Ils se démènent vraiment pour comment on dit des, des cacahuètes, des miettes. Hein et de l'autre côté, je vois des gens qui n'en font vraiment pas autant, voire presque pas, mais qui misent tout sur la relation avec Allah. La subsistance, à leur parvient. Et on sent après le hasad même, la jalousie venant des gens, on va dire les gens des causes. On pourrait dire al Sabab, al Asbab, je je sais pas comment on pourrait les appeler, mais les gens des causes euh, par rapport aux gens du Touhid, Ahlul Touhid, c'est pas la même chose, hein. C'est pas la même chose et je peux vraiment mettre à la place de quelqu'un qui s'est fatigué, fatigué, fatigué qui n'a finalement pas grand-chose quand il voit l'autre à côté, il se dit mais pourquoi lui il a tout ça Pourquoi il a tout ça bah parce qu'il s'est tourné vers Allah. On t'en demandait pas tant d'efforts, on te demandait pas de transpirer comme ça de courir à droite à gauche, de t'humilier devant des coffards pour avoir ta subsistance. On te demandait juste de placer ta confiance en Allah, c'était moins fatigant. Mais tu as préféré les causes matérielles. Skin. Ainam donc les, les hommes forts capables comme ça, ils ne peuvent jamais atteindre les degrés de ceux qui sont plus faibles. En réalité, en raison quoi des invocations des plus faibles, les personnes aptes et capables parviennent à acquérir une quantité parce que parfois les, les gens, euh, on va dire impotents comme ça, indigents, bah ils invoquent en faveur des d'autres personnes qui sont plus forts, plus capables. Donc en raison de ces invocations là. Faites par les plus faibles, les personnes aptes et capables parviennent à acquérir une quantité de biens qu'ils n'auraient jamais pu imaginer pouvoir se procurer sans cela. Car Allah a destiné à chaque créature une part de subsistance préétablie. Que tu sois faible ou fort, c'est pas parce que t'es plus fort que tu vas avoir plus de subsistance, ni parce que t'es plus faible d'ailleurs. Parce qu'Allah te l'a prédestinée, préétablie, tout simplement. une âme Donc ne jamais se moquer hein. des des indigents, des gens faibles comme ça. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Qui il est celui-là, Charles Razogel On poursuit. Autre point. En contrepartie, la subsistance des plus faibles est assurée par les efforts fournis par les plus forts aussi, qui sont eux-mêmes aidés par Allah. Il a versé vrai aussi. Parfois, as des faibles, hein, qui sont, euh, via leurs invocations, aidés par la cause des plus forts, notamment euh, ceux qui vont, par exemple, euh, obtenir euh, de l'aide financière. Cet argent-là, il a été gagné par qui par un fort, on est d'accord, quelqu'un qui a pu partir par exemple travailler ou <laughs> fait la chose. Il a cet argent. Allah inspire ensuite à cette personne-là, l'aumône. L'aumône qui sera redistribué aux faibles. Le faible n'a pas eu cette force pour gagner cet argent, mais il a eu la force pour invoquer Allah, il a eu la force du cœur, donc il a touché sa subsistance par la cause et l'intermédiaire du fort, vous avez compris. Donc la subsistance des plus faibles est assurée aussi par les efforts fournis par les plus forts, qui sont eux-mêmes aidés par Allah. C'est particulièrement vrai lorsque les personnes fortes. Nourrissent une confiance inébranlable en Allah et un espoir imperturbable en sa récompense. Pour ces hommes-là, Allah ouvre les portes de la victoire de la subsistance et les leur fait parvenir par des moyens qu'ils n'auraient jamais imaginés ou même soupçonnés. Combien d'hommes souffraient de ne pouvoir subvenir à leurs besoins que très difficilement, mais lorsque leurs familles se sont agrandies, donc ils ont eu plus d'enfants, Allah leur a fait don de ses largesses en leur facilitant les moyens de subsistance par un concours de circonstances conforme à la religion, à la prédestination et à la volonté divine. Donc, ça, je ne vais pas revenir dessus. Hein. Je disais, ceux qui ont peur de se marier, ceux qui ont peur de faire des enfants, C'est pas ça qui va vous appauvrir. Pas du tout. C'est l'éloignement d'Allah et c'est les péchés qui vous rendront pauvres, malheureusement. Mais ce n'est pas rien ni le fait de faire des, des enfants autres. Ce n'est pas vrai. Ça, ça amènera la part de, de subsistance, bien au contraire. Parmi ces circonstances, donc, euh, ici, le concours de circonstances euh, lié à la subsistance, on compte le fait qu'Allah tient toujours ses promesses. Premier point. Et il dit, Subhanah, dans Surat Sabah, verset 39, dans le sens, toute dépense que vous faites dans le bien, il la remplace. C'est ce que je vous disais un petit peu avant. Faut pas commencer à se dire, bon, puisque j'ai donné comme ça un petit peu de mon argent, que j'ai gagné, voilà, avec ma, ma force, entre guillemets, mais bon, la hawla, voilà, il illa il va m'en rester moins. Non. Donne aux indigents, Allah va te la remplacer encore par mieux, il va te, 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 te remplacer, même te, te surélever et te rajouter de la richesse. Tu donnes 10, Allah va te rajouter 100. Vraiment, ça aussi, je l'ai vu. Donner, donner, dépenser pour Allah. On compte également parmi ces circonstances le fait que les anges invoquent Allah chaque matin en ces termes. Ya Allah rétribue tous ceux qui font l'aumône et dilapide les biens de tous ceux qui par avarice les thésaurisent. C'est-à-dire qu'ils conservent comme ça par, <coughs> par côté pingre, leurs biens, leurs richesses. Mais rétribue tous ceux qui font l'aumône. C'est rapporté par Al-Bukhari ou al -Muslim. Et l'aumône, on l'a vu, elle peut se faire de plusieurs types, hein. Euh, par l'argent, bien évidemment, par, par le temps, par le, le bon conseil, la science. c'est quand tu fais l'aumône de science et tu la gardes pas. Parce qu'il y en a qui gardent, par avarice, leur connaissance. Ils se, ils se refusent à faire la dawa. La hein et il y avait un salaf comme ça qui disait... Euh, Wallahi, il disait... Euh, je, je, je préfère euh, transmettre tout ce que j'ai comme science ici et maintenant que d'emporter avec moi dans la tombe. La science, c'est plus cher que l'argent, on est d'accord. Plus cher que l'or, plus cher que les diamants, plus cher que les biens. Pourquoi tu gardes ça pour toi Transmets. Transmet. Donc il y a ceux comme ça qui vont garder cette, cette science-là, ou ceux qui vont garder leur argent, ou ceux qui vont comme ça conserver leur temps et n'en donnent pas aux gens. Avis d'avare de... Non, pas avis d'avare, plutôt, parce qu'avide, c'est le fait de, de désirer de... J'ai oublié l'expression de... de convoiter. <laughs> voilà. C'est la convoitise... Non, avare. Avare de donner du temps, avare de donner de l'argent, avare de donner de la science. Et il y a ceux qui sont pas avares. Bien Allah va te faciliter, on va dire, ton planning, ton emploi du temps. Donne du temps aux gens. Allah, il va te faciliter tes affaires, par exemple. Tu vas a un lit, tu vas avoir euh, du, du temps pour t'organiser, alhamdulillah, ou même une vie plus longue. Pas, 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 était, pas, pas plus que ce qui était prédestiné, en tout cas, mais une, une subsistance élargie et une vie euh, comme ça prolongée dans le bien, inshallah. Bien que tout soit déjà écrit. Et puis, euh, pareil pour ta science. Plus tu en donnes, plus Allah va t'en rajouter, puisque c'est une aumône. Et pareil pour tes biens. Plus tu donnes, plus Allah va te rajouter. Et les anges invoquent chaque matin pour ces gens-là. On peut aussi mentionner le fait que la subsistance des plus faibles s'est retrouvée par la volonté d'Allah entre les mains de personnes qui ensuite les ont reversées à leurs destinataires finaux. Allah akbar, ce que je vous dis il y a 5 minutes. Naam, la subsistance du, du, du plus faible. Elle est peut-être à l'heure actuelle chez quelqu'un qui est fort. Le fort, il a gagné ça par des moyens, voilà, liés à, à, sa, à, sa, à sa force, à ses causes matérielles et tout. Il ignore encore qu'il va redistribuer ça à quelqu'un de faible. Et le faible, il ignore que sa subsistance est là-bas. Allah c'est mieux. Combien de fois j'ai vu ça Combien de fois D'accord? Donc la subsistance des, des personnes faibles peut se retrouver par la volonté d'Allah hein, chez des gens euh, chez des gens X ou Y qui ensuite vont reverser. De ça euh, à, la, à la personne. Rien ne vous appartient, sachez-le, que vous soyez riche ou pauvre. Rien ne vous appartient. Tout circule. C'est une subsistance qu'Allah nous donne pour nous éprouver également. Il se peut, mon frère, à l'heure actuelle, qu'il y ait un les 50 euros qu'il dans ton porte-monnaie ne soient pas pour toi, ils ne sont pas destinés pour toi. Ils sont là en train de transiter, on va dire, dans ton porte-monnaie, mais demain tu vas les donner à quelqu'un. Le destinataire final de cet argent, ce n'est peut-être pas toi. Retiens-le. Ça t'appartient pas, en fait. Ça ne t'appartient pas, c'est Allah tout ça. Et donc euh, voilà, voilà pourquoi faut pas être avare, euh, voilà pourquoi faut pas commencer à penser qu'on a acquis des choses ou je sais pas quoi. C'est complètement faux. C'est complètement faux. Ça circule et ça doit inexorablement euh, arriver à son à son terme et le radar doit obligatoirement s'accomplir. Donc euh, c'est pour ça qu'on doit pas douter de la, de la part de subsistance. Il se peut que là aujourd'hui tu es comme ça dans une difficulté financière, ton argent il est en train d'être euh, il y a une idée de transiter, il est en train de se faire quelque part, il, il s'achemine, il arrive vers toi. Ne doute pas. Continue d'invoquer Allah. Continue de l'invoquer, subhanou ta'ala, pour qu'il te fasse parvenir ta, ta subsistance, tout simplement. Elle viendra d'une manière ou d'une autre. Et le fait que la main du donateur sera toujours et à tous les égards la plus élevée fait également partie de ces conjectures. Hein la main du donateur sera toujours et à tous les égards la plus, la plus élevée, on le rappelle. Une autre circonstance réside dans le fait qu'Allah donne son aide en fonction de la difficulté éprouvée. Et que la bénédiction touche tout acte accompli dans le but de le satisfaire et d'obtenir sa récompense. D'accord Donc, plus la difficulté est grande, plus l'aide d'Allah le sera également. Et la baraka touche tout acte accompli dans le but de le satisfaire et d'obtenir sa récompense. Comme je vous le disais, peu importe l'œuvre que tu fais une lecture du Coran, un vikr, un cours peu importe. Si tu places ta confiance en Allah et mets l'intention de guérir, mais n'est-ce tu vas guérir. Si c'est pour obtenir une subsistance, tu espères cela, Allah va te donner. Si c'est pour Kada au Kada. Ainsi de suite. Une autre circonstance que l'on peut mentionner est que la sincérité que le serviteur, voit à Allah, joue un rôle prépondérant, de même que les efforts qu'il fournit pour se rapprocher de lui aussi, bien par son cœur, ses paroles ou ses œuvres. C'est ce qu'on disait à Chi. Ainsi, chaque fois... Qu'il dépense de ses biens, il se tourne alors vers Allah et se rapproche de lui. Or, tout ce qui est fait pour satisfaire Allah est béni. Et s'il y a bénédiction, il bah, y a obtention de subsistance derrière également. Donc voilà, c'est ce qu'on disait. En fonction de ta sincérité, de ton ikhlas vis-à-vis d'Allah Azogel et des efforts que tu mets, que ce soit par le cœur, par les paroles, par les oeuvres euh, on va dire, euh, des membres, peu importe, tout ça, Inch'Allah, si c'est sincère, c'est béni. Donc ce sera bon pour toi et si ça va élargir ta part. Une autre circonstance à ne pas omettre est l'assurance et la confiance que le donateur place en Allah, ainsi que l'espoir qu'il nourrit dans la grâce de son Seigneur et sa munificence. Or, l'espoir d'être exaucé et l'ambition sont deux des causes les plus efficaces pour parvenir à ses fins. D'accord Être ambitieux et plein d'espérance. Plein d'espérance. Donc quand tu vas comme ça donner, euh, espère d'Allah le retour. Et il y a aussi les invocations. On l'a dit et redit, les hadiths que les personnes faibles, à qui l'aumône est faite, adressent à Allah en faveur de ceux qui les ont mis à l'abri du besoin. Invocation qu'ils formulent debout, assis et dans toutes les situations. Or, les invocations sont une des causes les plus déterminantes. Donc, il se peut comme ça que les gens qui soient euh, dans, une, euh, dans une certaine force et aisance donnent aux autres, donnent aux faibles, donc on l'a vu, hein, tout, tout un tas de rires qui est lié à, à cela. Et on a confiance en Allah, et on, on sait que l'acte en soi, il est béni, ça mérite une récompense. Et en plus, on espère qu'Allah, il, il augmente la subsistance, le fait qu'on est donné. Nah, même pour la science et tout. Hein. Et pareil, quand tu donnes des cours de science à quelqu'un, tu espères que la personne, bah, elle soit satisfaite, ravie de, de toi, de ton argumentation, de ton bon conseil. Qu'est-ce qui s'ensuit Elle fait de doha pour toi. Si elle fait de doha pour toi, c'est vraiment, tu as tout gagné. Ces personnes-là, qu'on a vu en plus, faibles, faibles de science. Mais faible en richesse, tu l'as aidé, tu l'as mis à l'abri. Et quoi de mieux que de mettre une personne à l'abri du shirk et de la bila Quoi mieux, mieux Mieux encore que, que de la mettre à l'abri du besoin financier. On oui, est d'accord Imagine les invocations après que les gens aient une formule. C'est lumière sur lumière. Wallahi. Surat al verset 60, il est dit Votre Seigneur a dit Invoquez-moi, je vous exaucerai. Donc imagine le nombre de personnes faibles que tu as pu aider, d'une manière ou d'une autre, et qui invoquent en ta faveur. Et enfin. Il dit le Shir, Rahmullah, tout ce que nous avons mentionné est corroboré par la réalité et l'expérience. Oui, parce que comme dit Shir Rahmullah Ta'ala, il y a deux types de sciences. La science qu'on apprend, il y a de manière comme ça religieuse dans les livres, dans les cours, dans ci, dans ça, et l'expérience de vie. Bien sûr qu'il doit rentrer en conformité avec le Kitabi Wasuna, mais l'expérience de vie aussi est une science, c'est une école. Donc tout ça, c'est corroboré par la réalité et l'expérience, on le voit. Malheur donc à ceux qui se privent de tout ce bien, car les gains de ceux qui en bénéficient sont indénombrables.